Attention. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vais donner la parole au ministre qui assure l'intérim du ministre du Travail, Monsieur Balala. Merci, Monsieur le Président. Je ne m'attarderai pas trop longtemps sur les 12-13 questions posées par notre collègue. Je vais tout simplement lui répondre. Monsieur le député, le jour où je compte on s'est présenté à la commission, vous étiez présent, n'est-ce pas? Donc vous avez d'abord félicité pour le merveille de travail qui a été proposé par le ministre tutelle avec son équipe. Je n'ai pas pourquoi vous n'avez pas posé cette question le jour de la commission. Vous avez attendu l'Assemblée avant la plénière. On a l'impression, à vous entendre, que vous faites partie, vous connaissez, vous travaillez même à l'OPS. Vous connaissez certains détails qui échappent même au personnel de l'OPS, n'est-ce pas? Donc, moi, je vais me tirer tout simplement à vous dire, monsieur le député, le CNRS, aujourd'hui, vu son état financier, il est en bonne santé. Donc, malgré quelques difficultés qu'il a rencontrées aujourd'hui, la caisse présente un bilan positif et les erreurs du passé, pour certains, sont corrigées, d'autres en cours de correction. Et nous sommes certains que cette amélioration, cette évolution va continuer. Je voudrais tout simplement répondre à la préoccupation d'une des questions posées par notre collègue de l'opposition relatif à la cité de l'explication, si vous voulez, sur le montant mobilisé au trésor. Il s'agit d'un montant qui a été gelé, si vous voulez, comme pour beaucoup d'institutions similaires, au niveau de trésors pendant la période de conflit. Et depuis 98, les trésors honorent en permanence, si vous voulez, ces paiements. Et cette créance, les trésors appuiera dès que sa situation financière va s'améliorer. Donc, et nous espérons que très prochainement, le recouvrement de cette créance aura lieu. Donc, le trésor, il attend un jour meilleur pour appuyer cette créance. Vous savez, les États-Unis et même l'Union soviétique, les grandes puissances qui envoient les satellites vers la Lune, donc, ils prennent des créances. C'est d'avoir ça sur des créances. Donc, ce n'est pas une honte, si vous voulez, d'avoir une créance, mais il y a un plan de redressement qui est là. Cette créance sera apurée. Donc, pour le moment, je me limite à ça pour vous dire que très prochain, enfin, désormais, tel que promis par le ministre de Travail et la directrice qui a présenté le compte financier 2011-2012, que désormais ce retard n'aura pas lieu et les comptes financiers seront présents à temps.
Une dernière question concernant le pourquoi. Il n'y a pas une institution d'audit externe au niveau national. Pourquoi on fait appel à des compétences étrangères? Vous connaissez peut-être mieux que nous, hein, ben on est, l'audit externe, le bureau d'experts, ce n'est pas l'État qui les oblige à s'installer, à créer. Peut-être vous connaissez mieux que nous des personnes, ressources que nous ne connaissons pas. Invitez-les à s'installer parmi la diaspora très experte pour venir s'installer à Djibouti pour créer une telle institution. Bon, tant que nous n'avons pas, nous faisons appel à des compétences extérieures. Nous espérons que, en tout cas, une meilleure réponse actuellement, la proposition a été faite, la procédure, en tout cas, s'est lancée, et une meilleure réponse sera peut-être sur l'état d'avancement de ce dossier, vous sera donné par mon collègue, le ministre de l'économie et des finances. Mais, nous utilisons ce que nous disposons sur le marché. Voilà. Il a été question de faire appel à un audit externe. On a fait appel à ce que nous avions sur le marché. Sur le marché, je vous disais, il n'y avait pas des nationaux. Alors, on vous invite à créer de telles institutions compétentes pour assurer cette fonction. Merci. Merci, monsieur le ministre.